Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 février 2023 et je vais faire la petite guidance de la semaine. Donc toujours pareil, vous pensez bien fort à votre question, claire, nette et précise. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais avec telle personne? Est-ce que je vais faire ma vie avec cette personne-là? Est-ce que je vais avoir un enfant cette année? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que ma santé va aller mieux? Est-ce que je vais trouver un travail dans telle voie? Est-ce que je vais devoir me former? Est-ce que je dois avancer dans ma vie et jeter mon passé aux oubliettes? Voilà, question. Est-ce que je dois mener ce projet à bien? Est-ce que ça va fonctionner? Par exemple, est-ce que l'ouverture de mon restaurant va bien fonctionner? Est-ce que je sais pas? Voilà. Mon projet collectif, est-ce que ça va marcher? Toujours positif, hein, d'accord? Alors, pensez bien fort à votre question. Et vous choisissez votre tas. Tas 1, tas 2, tas 3. Alors, j'ai perdu le nom de la pierre, c'est une pierre bleue. T'as deux, on va mettre une améthyste, c'est une pierre violette. Et t'as trois, qu'est-ce que j'ai là? Je dois avoir une... Ah, ma fille est passée par là. Allez, on va prendre un petit coquillage. Voilà. C'est bon, vous avez choisi. Allez, je retourne la première. Donc ça, c'est la carte de la fidélité et de l'amitié. Des amis, des gens qui vous soutiennent, qui sont là près de vous. Regardez comme elle est mignonne. Voilà, c'est un petit bébé golden avec un petit chat tigré européen. Donc voilà, le petit chien, il met sa petite patte sur le dos du petit chat. Voilà, ils sont couchés sur un canapé. Donc ça montre vraiment la fidélité, l'amitié, la personne avec qui vous êtes. Peut-être si vous vous posez la question si vous allez finir votre vie avec cette personne-là, moi ça me dit oui. Si vous posez la question de savoir si vous avez des amis qui vous soutiennent et qui seront là pour vous, ça me dit oui. Voilà, bon, on va recouvrir quand même et on va voir de quoi il s'agit. Pour la carte numéro 2, ça c'est le miroir. Donc le miroir c'est une carte un petit peu complexe. C'est-à-dire que c'est la projection que vous faites dans le miroir. Donc, soit quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous trouvez au top, soit, eh ben non, c'est vous arrivez du mal à vous regarder dans le miroir, donc on va voir, pareil, on va recouvrir pour voir de quoi il s'agit. Et là, c'est la carte de l'envie, donc on voit des petits pieds, hein. Voilà, les pieds d'une fille, les pieds d'un monsieur, et un drap qui couvre tout ça. Donc ça, c'est l'envie. Donc peut-être l'envie de... Bah, ça, c'est amoureux, mais ça peut être aussi l'envie de réaliser un projet. Je vais recouvrir avec mon oracle miroir, justement. Alors, j'enlève le miroir magique, miroir magnétique. Allez, alors, toujours vous gardez votre tas, bien sûr, vous ne changez pas en cours de route, c'est fichu. Allez, concernant la fidélité, l'amitié, le soutien. Concernant le miroir, de quoi s'agit-il? Concernant l'envie. L'envie d'avoir envie, disait Johnny. Ah là, il faut que je recouvre. Faut que je recouvre la dernière. Alors, la première, moi, ça me dit que de toute manière, votre projet ou tout ce qui concerne le travail,
Alors si par exemple c'est une question justement concernant le travail, est-ce que j'ai trouvé du travail dans ma voie, est-ce que mon projet va se réaliser, mon restaurant, tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou est-ce que je sais pas, ma santé va aller mieux si c'est une question de santé, moi je vous dis oui. Oui parce que vous avez des amis, oui parce que vous avez des soutiens, il y a des gens qui vont vous soutenir dans votre projet. Si c'est au niveau santé, ça dirait que vous aurez un médecin, vous aurez quelqu'un qui va vous soutenir dans cette épreuve à passer et il sera là pour vous. D'accord? Si c'est au niveau amoureux, alors dans la carte du travail, là, on voit un lit derrière, je sais pas si vous voyez là, un lit derrière avec un cœur sur la tête d'oreiller, donc ça concerne l'amour. Ça me dit que il va falloir, en effet, pour réaliser votre, par exemple, amoureux, je sais pas, est-ce que je vais me marier avec telle personne, ça me dit oui parce que c'est un travail. Cette relation-là et que la fidélité, l'amitié, votre compagnon est là pour vous et ça va bien fonctionner, vous allez avancer, vous allez travailler ensemble dans la réalisation de votre projet. Bon, voilà, si c'est au niveau, je sais pas, moi par exemple un bébé, moi ça me dirait oui, parce que vous êtes fidèle dans votre couple, vous êtes ensemble et que de toute manière, c'est un travail, c'est en train de se mettre en place et ça va être pour une belle réussite. Donc là, ça me dit oui, réussite grâce à vos soutiens, ne faites pas tout tout seul. Ne vous embarquez pas dans une histoire tout seul. Aidez-vous de vos amis, de vos soutiens. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Voilà, c'est ça que ça me dirait pour le premier. Alors, pour la deuxième, alors moi j'ai une association, alors du coup il faut que je recouvre là parce que ça ne me dit pas tout. Et la troisième aussi, ça ne me dit pas tout. Alors, je vais recouvrir avec... Quel oracle? Quel oracle? Quel oracle? Quel oracle? Quel oracle j'ai? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va le sortir de sa petite pochette. Allez. Est-ce que je mets une carte partout? Non, les deux dernières, ça me dit. Dites-moi en plus, mais non, je me quitte. Il est gelé, l'oracle. Allez. L'amour, là. Projection dans le miroir, l'amour. L'amour, l'association aussi, ça peut être. Hein. Ça, c'est l'accusation. Allez. Alors là, ce serait plutôt une réalisation. Hein. C'est un besoin d'évasion, c'est un besoin de s'aimer, c'est un besoin de vraiment... Alors, le tas du milieu, pour moi, alors si ça concerne la relation amoureuse, pas d'inquiétude. Hein. Même si vous... Il y a des gens qui ne s'aiment pas, hein, qui se regardent dans le miroir et qui s'aiment pas ou qui n'aiment pas... ce qu'elle fait actuellement ou ce qu'elle est actuellement, la personne, je parle, hein, homme ou femme, vous n'aimez pas la projection que vous avez peut-être dans le miroir et peut-être que c'est pour ça que vous avez du mal à rencontrer des gens. Mais moi, on me dit que vous allez rentrer dans une période de sérénité. Ça, c'est les vacances, le repos, la sérénité. Peut-être que vous n'aimez pas aussi votre corps. La question, peut-être, c'est est-ce que voilà, je vais prendre confiance en moi, par exemple, pour réussir à avancer. Ça me dit que oui. Ça me dit que vous allez faire des efforts pour essayer de être plus sereine dans l'avenir, être plus serein dans l'avenir. Donc si par exemple c'est au niveau travail, ça me dit qu'il faut que vous ayez beaucoup plus confiance en vous, que vous allez vous associer ou vous allez trouver une association, alors, dans le travail, hein, là j'ai l'amour, mais ça peut être une association dans le travail, ça peut être un nouveau patron, ça va être quelque chose de nouveau, de renouveau, de régénérant pour vous. Si c'est au niveau santé, ça me dit qu'il faut que vous preniez soin de vous. Il va falloir prendre soin de vous, mais ça ira mieux parce que vous allez tout mettre en œuvre pour aller mieux. J'ai tout ce qui est aussi médecine douce, d'accord? Qui peut aussi vous aider. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser tomber les traitements médicamenteux. Par exemple, si vous avez un cancer ou autre, des maladies graves, vous gardez votre traitement, bien sûr. Mais on me dit que vous pouvez aussi vous faire aider par de la médecine douce à côté. Par exemple, si vous faites des radiothérapies, vous pouvez vous faire aider par des coupeurs de feu, pour éviter d'avoir des difficultés. Si par exemple vous avez une maladie, ben justement des chimiothérapies, des choses comme ça, on me dit que vous pouvez aussi vous aider par des plantes pour vous soulager dans la douleur. Voilà. Et on me dit qu'il y a un mieux, d'accord? Il y a un mieux parce que, pareil, vous avez le soutien d'une personne ou deux personnes autour de vous. Et vous allez mieux appréhender l'avenir parce que vous allez mieux appréhender l'image que vous avez de vous dans le miroir. Ce qui va vous aider, confiance en vous et tout et tout. D'accord? Et puis, la troisième, alors la troisième, par contre, c'est pas très bon, je vous dis tout de suite. C'est que vous avez envie de faire quelque chose, mais moi, pour moi, ça ne va pas fonctionner. Il y a une mise en accusation, là,
et j'ai la perte, la carte de l'automne. Donc moi, là, vos projets, pour moi, pour l'instant, ils sont mal partis parce qu'on va vous accuser de quelque chose ou vous allez accuser une personne de quelque chose pour obtenir de l'argent ou je ne sais pas. Hein. Moi, pour moi, c'est même pas la peine, c'est une perte. D'accord ? C'est par exemple, vous avez un projet de créer une entreprise. Pour moi, ce n'est pas le bon moment parce que vous ne serez pas soutenu, justement. Alors là, l'accusation, on a la justice aussi. Hein. Donc moi, c'est une perte. C'est par exemple, vous comptez récupérer de l'argent. Pour moi, ce n'est pas tout de suite. Là, j'ai la perte. Si par exemple, c'est concernant la santé, pour moi, ça me dit que vous avez envie d'être meilleure santé. Mais moi, vous ne faites pas du bien à votre corps. Il y a des choses que vous ne faites pas correctement. Comme si votre corps en fait vous accusait, vous voyez, de pas prendre le bon traitement et du coup vous avez une perte de la santé, d'accord. Donc remettez-vous en question de ce que vous voulez faire, des choix que vous voulez faire et faites attention autour de vous. En fait, j'ai l'impression que ce tirage c'est très aidez-vous de vos soutiens, de vos amis. Entourez-vous de personnes bonnes autour de vous, de bons amis ou tout ça. Si par exemple, on vous a mis en accusation dans une question de loi ou quoi que ce soit, moi, pour moi, il y a une perte pour vous. Hein. Vous allez perdre le procès, vous allez perdre tout ça parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites correctement. Il y a l'envie de réussir, mais les choses ne sont pas faites correctement. Donc ça, c'est négatif et les deux-là, elles sont très positives. Voilà ce que ça me dit. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais faire avant la fin de semaine Biden, voir un peu ce que ça nous dit, le président américain. Et je vais faire un tirage que Alexandra m'a demandé concernant les effets secondaires du pic-pic. Savoir si ça va pouvoir aller en justice et les gens vont pouvoir être reconnus. Donc c'était très intéressant son message et ça m'a touchée beaucoup parce qu'elle a le même âge que moi et qu'elle a des effets secondaires affreux par rapport au pic-pic. Donc je vous expliquerai tout ça, je ferai ça, ce tirage là vendredi je pense. Voilà, en tout cas si vous voulez une guidance personnelle, il y a mon mail ici, amberrosevoyance@hotmail.com, c'est en dessous de la vidéo, hein. Vous cliquez sur plus à côté du titre et plus, comme ça vous défilez tout. Il y a toujours mon partenariat, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Et puis si vous m'envoyez un mail, regardez bien vos spams ou les courriers indésirables pour la réponse, parce que Amber Rose Voyance, ça part souvent dans les spams. Voilà, si vous ne m'avez pas mis en courrier prioritaire, vous ne trouverez pas ma réponse dans vos courriers normaux. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des pouces, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et moi, ça me permet de continuer voilà, à faire ces petites guidances de la semaine et puis des petites vidéos sur l'avenir de notre beau pays. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt. Bye bye!